Bon, bah, on est à bord du MG EHS, donc le SUV hybride. Donc là, on a mis le régulateur de vitesse avec l'anti-collision. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau du compteur, il y a trois traits. Et ce qui veut dire que même s'il y a une voiture qui me fait une queue de poisson, la voiture, elle pourra même s'arrêter si besoin. Voilà, en toute sécurité. Le tableau de bord, je vous laisse découvrir. Donc, ultra fonctionnel avec une tablette 10 pouces. C'est l'une des plus grosses tablettes qui existent dans le marché après Tesla, bien sûr. Le volant multifonction, on peut faire énormément de réglages. D'ailleurs, je vais essayer de vous faire une petite présentation vite fait. Ici. Donc là, elle est entièrement encore en anglais parce que elle n'a pas été encore configurée pour un 100% français. Donc là, c'est différentes jauges de consommation. Alors désolé pour le reflet, mais je suis vraiment en train de faire ça en conduisant. Je sais, c'est pas bien. Donc la configuration du véhicule, quelle est l'énergie? Donc là aujourd'hui, c'est le moteur thermique. Et de temps en temps, vous voyez que l'électrique prend le relais. Là, je ralentis un peu. Vous voyez, j'ai fait exprès pour que vous puissiez voir que là, c'est les deux moteurs qui sont en route. Et sinon, on peut vous montrer que le tout électrique peut fonctionner aussi. Vous avez les différentes jauges. Donc à droite, la jauge électrique et à gauche, la jauge carburant. Voilà, globalement, elle se conduit super bien, la voiture. Voilà, donc ici, vous avez les moyennes de consommation. Comme vous pouvez voir, il y a 6 litres 7 de moyenne, 6 litres 6 même. Après, ça dépend de votre conduite, comment vous poussez. Au niveau du panneau, c'est très simple. Il lit les panneaux qu'il trouve sur sa route et du coup, il les retransmet au niveau du compteur. Là, j'ai repris la main en fait par rapport au régulateur de vitesse, j'ai repris la main volontairement. Là, c'est les jauges en termes, ah non, les distances parcourues, etc. Donc, la température des pneus, ça, c'est un truc qui pour moi est une première. J'ai jamais vu ça sur une voiture, à part peut-être une supercar. Ferrari, Lamborghini, des choses comme ça, puisque sur les autres voitures, même Audi, il n'y a pas. Donc on a la pression des pneus en instantané et on a donc la température des pneus. Donc c'est plus un gadget qu'autre chose entre nous. Hein. Voilà, donc l'état de la batterie pour le thermique, donc qui est supérieur à 13 volts, ce qui est très bien. Donc à tout moment, on peut savoir si la batterie est défectueuse ou pas. Et puis après, on C'est bon, revient c'est bon. sur le. Là, c'est consommation en électrique. Et là, les deux moteurs sont couplés pour fournir la puissance. Donc, il y a 200, 241 chevaux de mémoire sur ce véhicule. Et je vous promets que ça envoie. Le turbo, quand il se met en route, on le sent. On a le petit coup de pied au cul. Voilà. Là, je vais vous mettre en fait le régulateur de vitesse. Voilà, donc là, je suis sans les pieds. On a mis à. On va mettre à 50, parce qu'on est limité à 50. Je vais même accélérer un peu plus fort pour vous montrer que quand on va se rapprocher du véhicule de devant, la voiture, elle va se mettre à freiner toute seule. Et la voiture, elle s'est mise à freiner parce qu'on arrive sur le premier trait, vous voyez. La couleur change. Donc là, j'ai pas les pieds. Hein. Elle va laisser mettre la distance programmée. Et elle va éventuellement suivre le véhicule. Et c'est ce qui se passe. Parce que le véhicule de devant, il a. Donc 50 km/h. Regardez, il freine. Donc moi, je ne fais rien. On reste sur 50 km/h.
49 même, vous voyez, parce qu'il a détecté que la voiture de devant, elle désaccélérait. Et elle s'adapte. Et à savoir que si on a les lignes de chaque côté qui fonctionnent, enfin qui sont bien visibles, bah, voilà, là la voiture elle s'est arrêtée de toute seule. Et là elle prend, elle reprend la vitesse. Toute seule. Elle est programmée toujours pour 50 km/h, mais comme le monsieur devant, bah, il roule pas, bah, il s'est adapté à sa conduite tout en laissant la marge de sécurité, donc des fameux 3 traits. Tant qu'on est vert, c'est qu'on est bon. Quand il passe à l'orange, c'est pas bon. Donc automatiquement, elle va se mettre à freiner. Donc je disais, quand il y a les lignes blanches qui sont bien marquées au sol, la voiture, en fait, elle peut se mettre en mode autopilotage. C'est-à-dire que bah, elle se conduit toute seule. S'il y a besoin de tourner le volant, bah, elle va le tourner sans aucun problème. Et là, depuis tout à l'heure, regardez, je ne freine, je ne fais rien. C'est la voiture qui freine toute seule. Et c'est elle qui prend le relais. Et, ouais. Et là, elle accélère toute seule. Une vraie voiture autonome. Et quand elle accélère, elle ne va pas mettre pleine puissance pour vous mettre à la vitesse voulue. Elle va y aller progressivement de manière à ne pas faire une surconsommation de carburant ni de électrique. Donc ça, c'est fort, fort intéressant. Franchement, c'est une voiture qui est très, très agréable. Là, elle a freiné d'elle-même parce que devant, il y a un bouchon. Comme j'ai l'habitude de dire, et pour ceux qui me connaissent, hein, c'est une vraie voiture de blonde. Il y a juste à mettre en route et vous laisser rouler. Alors, c'est il faut s'adapter, bien sûr, parce que ça change aux voitures traditionnelles, même Audi, BMW, Mercedes, ça change un peu au niveau de la conduite. Mais en fait, quand on s'y habitue, ça va être très difficile de revenir à une voiture normale. Vous voyez, là, le feu, il est rouge. Tac. Le feu est rouge, la voiture, donc elle va s'arrêter toute seule sans que j'agisse sur les pédales. Regardez, elle va détecter que le véhicule... Vous voyez la marge de sécurité? Et elle s'est arrêtée toute seule. J'ai même pas un pied sur le frein. Et là, par contre, elle veut que je lui mette juste un petit coup pour dire qu'il faut repartir. Et j'ai enlevé le pied, hein. Je ne sais pas si on arrive à voir. Ben voilà, les pédales, vous voyez, hein, aucune action dessus. Et on prend bien de la vitesse. Et elle le va progressivement de manière à optimiser en fait les autonomies de chaque énergie. Voilà, donc si vous avez besoin de conseils ou autres, n'hésitez pas à nous consulter. On pourra même vous montrer le véhicule physiquement. Comme ça, vous pourrez voir par vous-même le véhicule. Mais c'est vraiment, en termes d'achat, c'est l'un des plus intéressants aujourd'hui par rapport à la concurrence. Voilà, bon bah sur ce, je vous dis à très bientôt.
Thank you.